Bonjour. Je viens bien entendu vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2016. Nous avons tous été meurtris par l'année 2015 et je pense en premier lieu aux attentats de novembre et aux attentats de janvier d'abord, 2015 et aux attentats de novembre. Nous avons tous été meurtris, d'autant que l'objectif des terroristes, c'est bien entendu de diviser un pays, de le casser, et qu'à travers le résultat des élections régionales de décembre, face à la poussée du Front National, on se dit que cet objectif a peut-être été atteint. Mais en même temps, moi j'ai noté de sacrées différences entre dans nos réactions, dans les réactions de la société française, entre novembre et janvier, c'est qu'un sentiment d'unité qui est une envie de faire communauté, qui s'exprime à travers des choses comme des jeunes qui ont envie de s'engager pour servir leur pays, des mosquées qui ouvrent leurs portes ce week-end, des réservistes civiques qui ont envie de s'engager dans l'éducation nationale. Bref, une société vivante qui réinvente une identité, un collectif. Et même si les signes sont encore fragiles, ils sont là.